Un sergent de police désigné au poste d'observation de Samango a été victime d'un grave accident de la circulation, le jeudi 28 avril 2022, après avoir acheté une moto à Korogo. Selon des sources médicales, le pronostic vital du sergent de police YEO, matricule 18135, mécano 444201H, pourrait être engagé, à la suite de l'accident de la circulation survenu, le jeudi 28 avril 2022, à Madinani, ville du nord de la Côte d'Ivoire, située entre Odiané et Boundiali. Il s'est rendu à Korogo sans autorisation pour s'acheter une moto. Il nous revient que le sergent de police I.I.O, du commissariat de police de Gébeléban, désigné au poste d'observation de Samango, s'est rendu à Korogo, sans autorisation, pour s'acheter une moto. Le voyage aller se passe sans problème et YEO s'achète effectivement une moto de marque Absonic, de couleur noire, non immatriculée. Heureux d'avoir enfin l'engin tant désiré, il effectue quelques tours en ville, avant de se résoudre à prendre le chemin du retour. Mais une fois dans la localité de Madinani, tout va se gâter. Son arme de dotation bien en place, le sergent de police qui a enfourché sa moto fait vrombir le moteur. Le voyage se passe sans anicroche. Mais une fois dans la localité de Madinani, tout va se gâter. En effet, comme rapporté par nos sources, le policier à moto percute violemment un tricycle chargé de ferraille stationné sur le trottoir, avant d'être projeté sur plusieurs mètres. Lire aussi accident corporel de la circulation à Odiané, un gendarme lutte contre la mort après avoir percuté un cheval en divagation grièvement blessé au pied, il est retrouvé dans un état lamentable, avant son évacuation à l'hôpital général de Madinani. Plus tard, la victime a été évacuée dans une ambulance au centre hospitalier universitaire, CHU, de Korogo, après les premiers soins reçus à l'hôpital général de Madinani. L'arme de dotation du sergent YEO a été gardée à la brigade de gendarmerie de Madinani. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.